région. J'ai touché l'océan, j'étais émerveillée. J'ai commencé à avoir peur. Sérieusement, je ne sais pas si ça finit. Je n'ai même pas les mots pour décrire cette sensation-là. Je ne croyais pas qu'un truc pareil existait. Bon, c'était la meilleure expérience de ma vie en tout cas. Le camp de Kribi, c'est un programme du Goethe Institute, mais contrairement à ce qu'on pense, il ne s'agit pas uniquement des établissements faisant partie du réseau PACH. Il y a là un souci d'intégration de toute la communauté éducative, apprenant de l'allemand, revenant du Gabon, du Cameroun. La sélection se passe d'abord au niveau régional. Les enfants sont soumis à des tests de langue et ensuite ils sont soumis encore à un test au niveau national. Maintenant, puisque les places pour la bourse en Allemagne sont limitées, ceux qui n'ont pas démérité ont dans ce lot, pas un lot de consolation, mais un lot tout aussi valeureux pour participer à des cours de langue, à des activités en atelier et plein d'autres choses encore. Nous sommes venus approfondir nos connaissances en allemand. Au fait, quand on arrivait, on ne connaissait pas encore comment ça allait se passer. Donc, on venait pour les vacances de 10 jours. Lorsqu'on est arrivé, on a vu tout le contraire. Notre journée était composée de 4 heures de cours d'allemand. Ensuite, on avait un repas. Et l'après-midi, on avait 4 heures d'atelier. Et le soir, nous avons des activités telles que la danse. Le soir, on se rassemble pour voir un film et bien d'autres choses. Et ensuite, on passe au cours. À trois, vous arrêtez les pieds. Alle Lehrer, seid vielleicht. Und wir hoffen, gut geht euch. Wir hoffen, gut geht es Ihnen. Hallo, Schüler, steh mal auf. Hallo, Lehrer, stehen Sie auf. Sprecht viel Deutsch, wir Frau und Frau. So sprechen wir Frau und Frau. Hey, hey, hallo, hey. Hey, hey, hallo, hey. Hey, hey, hallo, hey. Dans les cours de langue, nous avons un peu approfondi un certain des cours que nous avions déjà vus précédemment à l'école. Ici, les cours que nous faisions, il y avait plusieurs personnes dont les idées étaient différentes. Et lorsqu'une personne peut-être est bloquée, l'autre va nous aider. Mais à l'école, c'est un seul encadreur par matière. Ce qui fait que si peut-être lui il est bloqué, il nous demande d'aller chercher. Ok, die katholische Kirche, die katholische Kirche. Du hast Donc vous voulez jouer ce rôle seulement en tant que. Le séjour est composé de plusieurs types d'activités. Il y a des cours de langue. Parce que c'est d'abord la langue allemande qui nous rassemble pour renforcer le niveau. Mais aussi il y a une orientation très pratique, orienté dans le développement de certaines compétences, des compétences vraiment pratiques qui vont les aider à mieux vivre avec leur environnement et avec leur propre personnalité. Dans notre atelier, on a monté une pièce de théâtre. Au départ, une pièce de théâtre. On l'a d'abord joué devant nos camarades, mais ensuite, on l'a réalisé comme un film. Et c'était la plus belle expérience de ma vie. La plus belle chose que le théâtre m'ait apportée, c'est la confiance en moi. Tu as peur de quoi, mon frère? Vas-y, écris. Et je suis vraiment contente. Je n'ai jamais regretté mon choix. Atelier Web 2.0. Dans l'atelier Web 2.0, on a appris à créer des blogs et à publier des articles.
Dans l'atelier Web 2.0, nous avons donc, au tout début fait une étude sur les différents réseaux sociaux, leurs types et leurs caractéristiques. Ensuite, nous avons pu créer le blog du camp. Je ne savais pas comment utiliser l'ordinateur, mais quand je suis arrivée dans cet atelier, j'ai appris pas à pas comment utiliser un ordinateur. Atelier Recycling! Le recyclage contribue à réduire la production de déchets. On peut les réutiliser, les réparer, parce que les déchets, ça cause la pollution. Et la pollution, ça détruit et ça salit l'environnement. Ça perturbe les écosystèmes et ça peut aussi détruire la santé des êtres humains comme des animaux. Atelier Journalisme. Dans cet atelier, nous avons appris beaucoup de choses. Et nous avons aussi eu la chance d'avoir deux bons encadreurs, notamment R. Onesine, qui est un professeur très compétent, et aussi Nils, qui est venu nous aider dans notre atelier. En venant, nous n'avons rien dans la tête, donc en rentrant, je sais que j'aurai beaucoup d'améliorations sur ma langue allemande concernant les journalistes. En tant que pédagogue, nous avons déjà un fameux slogan. On dit « Celui qui cesse d'apprendre doit cesser d'enseigner ». Et ce genre de contexte, ce camp, est un contexte de découverte personnelle d'abord, de rencontre des enfants, et qui permet beaucoup plus le développement de leur potentialité, de leur autonomie. Et ça, c'est très enrichissant. Et je suis personnellement très impressionné par la capacité qu'ils ont à se prendre en charge, à s'organiser, à s'assumer et tous les talents dont ils regorgent. C'est vraiment impressionnant. Et c'est dans un tel contexte qu'on voit émerger ce genre de compétences, ce genre de talents, sur ce qu'on n'a pas toujours l'occasion de faire lorsqu'on est dans un contexte traditionnel où il y a beaucoup plus d'élèves et le contexte est un peu limité. Donc c'est beaucoup plus ça que je retiens. Pacha Tribi 2019, Jay 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 Jay